Shanna et Jonathan Matija dévoilent la date de la naissance de bébé Loïka. En mai dernier, Shanna Kress et son chéri Jonathan Matija ont annoncé attendre un heureux événement. En couple depuis 2 ans, la candidate de télé-réalité Découverte dans les Marseillais a donné naissance à son premier enfant. Après une grossesse compliquée due à sa métamorphose physique, Shanna s'est peu à peu laissée aller dans son nouveau rôle de maman. Alors qu'ils avaient l'habitude de partager leur quotidien sur leurs réseaux sociaux, Shanna et Jon ont disparu durant de longs jours. Aujourd'hui, ils reviennent avec une vidéo bouleversante. Depuis le 19 novembre au soir, les fans étaient sans nouvelles du couple, arrivé à son terme. Ils se sont doutés que Shanna allait donner naissance à bébé Loïka. Mais ce long silence les a inquiétés. À tel point qu'ils se sont demandé si la future maman n'avait pas rencontré des complications durant son accouchement. 6 jours plus tard, les médias ont annoncé une triste nouvelle, Shanna aurait subi une opération après son accouchement et serait au plus mal. 2 jours plus tard, soit le 27 novembre dernier, le couple donne enfin des nouvelles rassurantes. Shanna et Jonathan ont posté une tendre photo avec leur bébé, dont le visage est resté dissimulé. Tout comme à leur habitude, les deux jeunes parents ont filmé leur arrivée à la maternité. L'accouchement et les premiers moments avec bébé. Un joli cadeau offert à leurs followers qui se sont posés énormément de questions. L'arrivée à l'hôpital, le début des contractions, l'accouchement, la rencontre avec Loïka. Le corps de Shanna après l'accouchement, les premières nuits difficiles, le couple a dévoilé hier une nouvelle vidéo YouTube qui a bouleversé les internautes. Après des heures de souffrance, la candidate de télé-réalité met enfin au monde son premier enfant. Émue aux larmes, elle s'exprime devant la caméra, « Il a tout de toi. Il est beau. Il est bien formé. » Pour vous résumer, l'accouchement n'a pas duré longtemps. On est fatigué. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi. Maintenant, c'est fait. On est apaisé. Il va très bien. Jonathan a vraiment été là pour moi. C'est bizarre. Car c'est un petit être qu'on ne connaît pas. Bravo à nous. On est papa et maman. On est 3 maintenant, je suis amoureuse de mon fils. Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir un truc comme ça. Surtout moi qui n'ai jamais voulu d'enfant. De son côté, Jonathan n'hésite pas à féliciter sa chérie après ce long parcours du combattant. « Mon amour, tu as été très forte. J'ai fait ce que je pouvais. Je lui faisais de l'air, je lui tenais la tête. » Guillaumet. Et pour ceux qui se posaient la question, Shanna et Jon ont pris la décision de ne pas dévoiler le visage de leur fils, on ne veut pas le montrer. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube. On veut vraiment préserver sa personnalité à lui. C'est un être à part entière. On veut lui donner l'opportunité de décider lui-même et de le protéger de ce monde. Il y a beaucoup de gens méchants. Il n'a rien demandé, laissons-le décider.